délicieux. Maman! Quoi? Pourquoi l'as-tu pris? Je les ai chutés. Je pensais que tu ne mangeais pas. Ouais, c'est ça. Pose ça là-bas. Ah, ah, quelqu'un frappe à la porte. Entrez! Ah, Jerry! Jerry, comment vas-tu? Je vais dire, maman. S'il te plaît, assieds-toi. Salut. Tu peux te joindre à nous. Oh, merci, maman, merci. Je t'en prie. Alors, comment vont les affaires? Les affaires, ça va, je remercie Dieu. Oh, j'arrive à gérer, super. Sans problème. T'es sûr que tu ne veux pas nous rejoindre? Pas trop difficile. Non, 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 ça ira, je suis juste venu te remettre, si, si. Ah, il nous a dit. C'est une quittie. Oui, en fait, il me l'a dit. C'est 100 000. Et vous? Ah! Aïké, incroyable, Aïké. Ah, Dieu, il continuera de le bénir pour nous. Mais comment? Amen. Hein? Aïké, il nous envoie toujours de l'argent. Et vous? Tu sais, Nketi n'a pas de boulot. Elle ne travaille pas. Elle fait toujours son master. Tout repose sur Aïké. Maman, il y a un temps pour toute chose. Merci. T'as pas besoin de dire ça. Il le sait. Pourquoi est-ce que tu es gênée? Maman. Nam. Il faut déjà que je commence à partir, question d'éviter les bouchons. Oui, tu as raison. Il y a trop de bouchons. Ok, maman, laisse-moi. Lève-toi, on y va. Accompagnons-le. Maman, t'es sûre que... Allons-y. Allons, allons. mon fils Aïké, c'est une kitty. Merci. Jerry, tu me fais rire. Merci, ok? D'accord, tu es vraiment gentil. Ce n'est pas un problème, d'accord? Tu mens. D'accord, merci beaucoup, merci. D'accord, maman. Que Dieu te bénisse. Merci, maman. Merci. Maman, ok. Sois prudent. Mon fils, bye-bye. Hey, il est très gentil. Mais maman, quoi? Avais-tu besoin de lui parler de ma vie? Il ne t'a rien demandé. Qui est-il? Tu ferais mieux d'aller au marché pour qu'on puisse préparer, au lieu de rester là et de raconter des bêtises. Tout le monde ne doit pas être courant de ma vie. Yeah. Tu vas... Est-ce que ça va? Tout va bien, maman. Tout va bien, t'inquiète. La voiture va en arrière. Oui, 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 c'est intentionnel. Je fais juste marche arrière. Es-tu sûr qu'il y a du carburant? Tout à fait. Je fais toujours le plein d'essence dans ma voiture. De l'essence? Qu'est-ce qu'il fait? Maman, rentre en haut. Qu'est-ce qui se passe? Tu es sûr que tout va bien? Tout va bien, maman. T'inquiète pas. Et ta vitre est baissée? Ça ne me dérange pas. Ok. Bye bye. Ok. Allons, je vais faire le marché, s'il te plaît. Jerry, c'est Jerry. Vraiment un gentil garçon. En effet, maman. Ada, comment as-tu entré ici? Les clés, je les ai toujours, tu te souviens? Ce n'est pas une réponse, Ada. Jerry, on doit parler. Maintenant. Je vais me reposer, je suis épuisé. On doit parler! Écoute, tu ne te rends pas compte que tu étais tellement en colère que tu as éteint ton téléphone durant tout le week-end. Oui, j'étais en colère contre toi et je suis toujours en colère. Tu es rentré en pleine réception chez Tunde.
Tu ne te rends pas compte? Ensuite, tu as éteint ton téléphone durant tout le week-end. Et là, tu es remonté contre moi? Tu trouves ça logique? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est à moi de demander qu'est-ce qui ne va pas chez toi. Je suis partie du mariage de ton dé parce que tu flirtais avec cette fille assise près de toi. Elle t'intéressait et ça ne t'a pas dérangé que je sois juste à côté. Cette fille était une de mes camarades de classe. Tu laisses ta jalousie prendre le dessus. Oui, et toi tu continues à flirter avec tes camarades au lieu de planifier notre mariage. Je suis fatiguée que cette relation n'avance pas. Je suis vraiment fatiguée. Wow. C'est ça. Bien. Je vais donc te libérer de ce poids. C'est fini. Je te quitte. Trouve ton bonheur ailleurs. C'en est de trop. Désolée, Jerry. Je t'en prie. Tu vois, chaque fois que tu penses que je te trompe, ça se termine ainsi. J'étais jalouse. Jalouse? Pourquoi? Nous sommes ensemble depuis un an et tu ne me fais toujours pas confiance. Et quand on sera mariés? Mais on ne l'est pas. De plus, tu ne l'as jamais proposé. Allez, lève-toi. Lève-toi et arrête ta comédie. Attends, tu ne veux pas m'épouser? Bien sûr que je veux t'épouser, as-tu besoin qu'un prophète te le dise? Quoi? Je suis désolée. Je peux t'entendre rire, tu sais? Ce n'est pas drôle. Mais t'as ri. Je suis désolée. Pourquoi faut-il toujours que tu me mettes hors de moi? Je sais, je suis désolée, c'est juste que mon insécurité l'emporte toujours. J'ai horreur que d'autres filles te tournent autour. Regarde-moi. Aucune autre fille me tourne autour. Elles le font. Pas du tout. Elles le font. Ok, c'est bon. Le plan était de passer un merveilleux week-end avec toi. Mais tu ne me crois pas. Je sais. Maintenant, profitons de notre merveilleuse soirée. Ça marche. À quoi penses-tu? On va se marier après. Juste que ma voiture me cause trop de soucis. Alors je pense acheter une autre voiture, ensuite on économisera pour le mariage. Ça prendra trop de temps. Pourquoi ne pas utiliser ce qu'on a maintenant et organiser notre mariage? Un petit mariage. Ada, on peut encore patienter pendant 6 mois. Ok? S'il te plaît, ok? Non. On achète une nouvelle voiture. Non. Hmm? Combien tu as? Je ne comprends pas. Tu y as combien dans ton compte? Combien? Oui, combien as-tu dans ton compte? D'accord, j'ai 550 000. Bien sûr, c'est sans compter les besoins. La nourriture et les imprévus. Mm-hmm. J'avais 600 000, mais j'ai prêté 100 000 francs à mon ami. Il a promis de me rembourser avec des intérêts. Ok, quand compte-t-il te rembourser? Oh, il s'agit d'elle. Ok, je veux dire il. Il fera bientôt, c'est mon ami. Faisons ceci, ok? Je vais ajouter mes économies au tien, ensuite on pourra organiser un petit mariage, on peut le faire. Tu parles de combien? Un 500 000. Vraiment? Oui. Ah, bien, bien. Mais je pense que ce sera toujours suffisant. On va se débrouiller avec ce qu'on a. Tu sais, on le fait avec quelques amis. C'est suffisant pour faire une dot, faire une cérémonie à l'église et une petite réception avec peu de personnes.
Ada, pouvons-nous attendre que j'achète une nouvelle voiture, s'il te plaît? D'accord, d'accord. D'accord, organisons le mariage. Je vais me marier avec mon âme. Wow, c'est vraiment très beau. On a pas besoin de l'acheter, on va la louer. Vraiment? Mm-hmm. Wow, elles sont quasi neuves. Mais qui est cette femme? Jennifer, elle est propriétaire d'un très grand magasin à Abuja. T'inquiète pas, c'est une grande amie. Et elle nous fera de bons prix? Bien sûr, elle nous fera, n'est-ce pas évident? Wow. Alors, laquelle veux-tu louer? Celle-ci? Oui. Ou celle-ci, si celle-ci n'est pas disponible. Rappelle-moi la date de ton mariage. Dans 2 mois, le dernier samedi. Oh, ça c'est parfait. Ouais. Ça me laisse le temps de trouver une salle à un bon prix. Bien. Ok, Jennifer va me ramener ses ustensiles de cuisine. Jennifer va également s'occuper des photographes. Jennifer prendra en charge... ok, ouais. Attends, donc, c'est celle Jennifer qui se chargera de tout? C'est énorme! Non, chérie, désolée. Il y a Jennifer pour la robe, Jennifer pour le gâteau, okay. Jennifer pour les photos, c'est juste une coïncidence. Okay. Il y a plusieurs Jennifer. Fais-moi confiance, ma puce. Bien sûr. Je vais m'assurer que tu aies le meilleur mariage. Aucun doute, merci. Ouais. Quel souvenir veux-tu garder de ton mariage? Quel moment précis veux-tu immortaliser? Juste me marier. Et? Je ne sais pas, quoi d'autre? Les couleurs, les fleurs, le... ma belle, c'est pour ça que tu es là. Ok. Cherche des couleurs, choisis des couleurs. Assure-toi juste que mon mariage n'ait pas l'air d'un film d'horreur. Bien, c'est noté, c'est parfait. Mmh. Je t'enverrai le facteur avant la soirée. D'accord, chérie. Je m'en vais bosser. Ok. Salut, bébé. Comment tu vas? Tu vas bien? Tu t'en vas déjà? Ouais, je suis en train de partir. Bienvenue. Ah, ok, d'accord. Alors, à bientôt. D'accord, bye. Un bisou. Ok, tu disais que par rapport... Ouais. Je vais fermer, c'est bon. Ah, c'était vraiment bien. Ça m'est complètement sorti de la tête. Qu'en est-il de ton ex? Tu m'as dit qu'il essayait de revenir. Tony, où est-ce que vous en êtes? Je lui ai dit d'abandonner. Juste d'abandonner? Il t'a embrassé, ça fait à peine 2 mois. Voyons, Ify, tu dis bien, ça fait 2 mois. Non, ma puce, écoute, je veux que tu coupes les ponts. Je ne veux pas que ma copine ait des ennuis alors que je pouvais éviter. Je sais. Merci. Je t'en prie. Mais c'est vrai, Tony est une bonne personne. Et on aurait pu se marier, mais ce garçon, plus qu'un politicien et flotte plus qu'un chien. Donc... Non, je t'assure, c'est vrai. Donc, non, j'avais fini, définitivement. Ah, ok, on se verra plus tard. Prends soin de toi, ok. Je te fais un virement, ok. Bye. Salut. Bébé. Comment ça a été? C'était bien. Elle en verra son cachet plus tard. Et bébé, je vais rentrer ce soir, ok? Quand vais-je te revoir? Eh bien, dans 2 jours, je crois. Je te manque déjà? Non, pas du tout. C'est juste la chaleur de ton corps dans la nuit qui va me manquer. Malade. Tu sais quoi? J'ai fait un rêve la nuit dernière. À quel sujet? Qu'on a eu un bébé. Es-tu sérieux? C'était un garçon. Ok, le futur s'annonce bien. Je sais. T'aime. Vas-y. S'il vous plaît. Merci de vous arrêter. Je peux vous aider? S'il vous plaît, pouvez-vous me déposer à l'équipe? J'ai déjà tellement entendu. Ok. D'accord, merci. La portière dérange un peu. Oui,
Oh. Oh. Je vois. Merci infiniment. C'est si gentil. Sans problème. D'accord. Oh mon Dieu. Maintenant, on y va. J'ai attendu si longtemps. Merci. C'est vraiment gentil. Hein? Cette portière, vraiment, il faut une technique pour l'ouvrir. D'accord. Ah. Merci infiniment. Votre maman, ne vous inquiétez pas. Mon sac, oui. Ah. C'est gentil de ta part. Ah. D'accord. Votre sac? Oui, d'accord. Ok. Très bien. Et mon sac. Arrêtez bien. D'accord. Et mon sac. Je vous en prie. Oui. Merci. Évidemment. Je vous en prie. Ça fera combien? Or, combien avez-vous l'habitude de prendre d'où je vous ai pris jusqu'ici? Je vais vous donner 5 000 avec un surplus. Ah non, maman. Considérez ça comme une faveur. Tu ne veux pas d'argent? Non, maman, ne vous inquiétez pas. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Quel est votre nom? Je m'appelle Jerry. Wow, je suis Madame Julie. Ce fut un plaisir, maman. Je peux savoir quel est votre métier? Ok, des affaires et gestion des projets. Wow, c'est très bien. J'aime travailler avec des personnes comme vous. Vous êtes si honnête et généreux. Prenez ma carte. Oui, vous pouvez m'envoyer un email à cette adresse. Ok, d'accord. Merci. Ok. Qui, maman? Ok. Est-ce ta carte? Oui, ça, c'est ma carte. Je pourrais la voir. Ok. Merci beaucoup. À la prochaine. D'accord. Merci. Oh. Je viens juste de rentrer. Oh, génial! J'ai passé toute la journée avec ma mère. Les vieilles personnes ont trop de problèmes. Je ne veux pas être vieille. Tu sais que tu dois toujours être là pour eux. Oui, je sais. As-tu dîné? Oui, j'ai dîné au restaurant. Ok, bon, si tu me fais le virement, je viendrai avec demain. Ok, d'accord, ça marche. Bonne nuit, chérie, je suis fatiguée. Moi aussi, chérie. Dors bien. Bonne nuit. One love, yeah. Georgia, Georgia.
Pourquoi tu ne décroches pas tes appels? Ma? Pourquoi tu ne décroches pas tes appels? Décroche ton portable. Salut, mon oncle. Allô, Jerry? Ouais, comment tu vas? Bien. J'ai un ami qui rentre d'Allemagne. Je lui ai donné quelques trucs. Ok. Occupe-toi de ça et... partage-les. Merci beaucoup. Merci, merci. Tu pourrais avoir 100 000 naira? Oui. Pourquoi? Bien, va les donner à ma famille. Va les donner à ma famille. Ok. Ok, ok. Mais, mon oncle, cet argent, c'est pour mon business, ok? Oui. Oh, Ike, mon frère. Mon pote, je suis fichu. Calme-toi. Natacha m'a dit tout à l'heure qu'elle ne me fait plus confiance. Pourquoi? J'ai évité les appels venant du pays. Pourquoi évites-tu les appels? Tu connais Jerry? Jerry? Mon neveu. Oh, Jerry, oui, celui qui t'aide à envoyer de l'argent à ta famille, c'est bien ça? Oui, je lui dois une très grosse somme d'argent. C'est donc lui qui m'a appelé. Et je n'ai donc pas décroché. Du coup, Natacha pense que je traîne dans des affaires louches. Alors, paye-le, mon frère. Je n'ai pas d'argent. Comment peux-tu dire que tu n'as pas d'argent? Alors que tu travailles jour et nuit. Je travaille nuit et jour, mais je paie des factures. Il faut bien payer les factures. C'est très sérieux, là. Depuis 2 mois déjà, tu n'arrêtes pas de me mentir. Au revoir, mec. Regarde, voici mon frère. Et voilà sa femme en haut. Elle est belle, n'est-ce pas? Elle est magnifique. Oui, elle est vraiment belle. Une blanche. On cause tous les jours, si je la vois parler, hein. Hé, hey, mon Dieu. Elle tu vois cet homme ici? Son partenaire d'affaires. Hey! Mon frère gagne beaucoup d'argent là-bas. Il nous envoie de l'argent tout le temps. Il faut en profiter. Oui, non. Est-ce que c'est facile d'avoir un frère dans ce pays? Regarde les jouets. Devine quoi? Il programme à mener avec lui. Attends, hey. Tu comptes aller à l'étranger? Oui, bientôt. Je vais te manquer bientôt, pas vrai? Ne t'en fais pas. Alors dis-moi, comment était la réunion? Pourquoi étais-tu absente? J'étais très occupée, je ne pouvais pas venir. Toujours des excuses. De temps en temps, assiste aux réunions avec les autres femmes. Ok, je viendrai. Mais dis-moi, comment s'est-elle déroulée? C'était bien. Tout le monde s'apprête pour les obsèques. Alors, oui. Les qui iront aux obsèques? Madame Sincheira, Monsieur Madukaira. Et presque toutes les femmes iront. Linda irait-elle? Celle-là, bien sûr qu'elle ira.
devons nous porter une tenue particulière. Il y a une tenue prévue pour les obsèques. Attends. De quelle tenue parlons-nous? N'est-ce pas des obsèques? Nous avons des tenues pour ça. Mais nous avons deux uniformes. Laquelle portons-nous? Celle de Opuna ou Rikuka? Opuna, c'est pour les mariages. Rikuka, pour les obsèques. Comme tu n'assistes jamais aux réunions, comment sauras-tu? C'est bon, Kiri, c'est bon. Nketi, le repas est-il prêt? Oui, le repas est servi. Mon ami, passons à table, okay. S'il te plaît. Merci, je tiens ma chaise. Ewa. Vas-y, ouvre la site. Voilà, c'est parfait. Le repas a l'air délicieux. Merci, s'il te plaît, sers-toi. Je reviens. Oui, entrez. Qui est-ce? Ah, chérie. Tu tombes bien. Comment vas-tu? Bonjour tout le monde. S'il te plaît, assieds-toi. Je t'ai de passage. Merci mon fils. Comment tu vas? Je vais bien, je vais tu bien. Tu tombes à pic, alors joins-toi à nous. Merci beaucoup. Dépêche-toi, donne-lui un plat. Vas-y, sers-toi, on commençait déjà. Écoute maman, en fait, je n'ai pas faim. Tu vas manger, même s'il faut que je te force. Maman, j'avais déjà mangé avant d'arriver. Juste mange avec nous, hein? Oui, laisse-moi t'aider, d'accord? Je ne peux plus rien avaler. Je sais, c'est pourquoi tu vas manger un peu. C'est vrai. Oui, oh, c'est ce que je fais. Oui. Je vais mettre les légumes. C'est bon, là. Non. Vas-y, laisse-nous bien te servir. Les jeunes, il doit bien manger, ma chère. Ce garçon est très gentil. Maman? Prends cette viande. C'est bon. Ngwa. Je mets la sauce, elle doit bien manger. Voilà. À chaque fois que mon fils Ike nous envoie de l'argent, c'est par lui qu'il passe toujours. Et c'est tout le temps. Et en plus, un Naira ne va jamais manquer. Il est très honnête. Que Dieu te bénisse. Ta viande, ton fils. Allez, vas-y, mange. J'avais déjà mangé la viande. Bois de l'eau. C'est Ike qui m'a envoyé vous donner cet argent. Merci, mon fils. Maman, laisse-moi. Merci. C'est une question. Aïké. Dieu bénisse mon fils Aïké. Que Dieu bénisse mon fils Aïké. Mon fils, merci. Je vais utiliser cet argent pour me rendre aux obsèques. Oh, ok. Bon voyage. Merci, mon fils. Merci. Bon, je vais devoir partir maintenant. Maman. Merci, maman. Tu as bu de l'eau? Tu dois boire de l'eau, mon fils, après avoir mangé. Bois de l'eau. Ne sois pas comme ça, prends juste un peu d'eau. Quand on finit de manger, on doit boire de l'eau. Vas-y, bois de l'eau, mon là, fils. Là, c'est bon. On est-tu sûr? Merci, que Dieu te bénisse. Merci, maman. D'accord. Bye-bye. Un peu d'eau. Bye. Maman. J'arrive. D'accord, vas-y, ma fille. Mon fils, Ike. Elle est très gentille. Aïké, je lui ai dit que j'allais voyager pour aller aux obsèques. Il m'a envoyé cet argent. Même quand tu n'assistes pas aux réunions. C'est bon, j'ai compris. Que Dieu bénisse ton fils. Amen. Qu'il protège ton fils. Merci. Merci, ma sœur. Ça marche bien. Ces affaires marchent bien là-bas. Je suis contente pour toi. Jerry! Ketchi? Je voulais juste te dire merci. Oh, c'est bon, je t'en prie. Ça te dirait de sortir avec moi un de ces jours? Ok, pourquoi? Tu as besoin d'aide? Bien sûr que non. Je veux dire, nous pouvons juste sortir, aller dans un endroit chic. Qu'est-ce que tu en dis? Tu es célibataire? Avec un C majuscule. D'accord. Mais moi, je suis en couple. Et c'est vraiment sérieux. Ok. J'ai un petit ami. Oh, génial, génial. Riche. Oh, génial. Je suis ravi pour toi. Merci, Ketchi. Merci à toi aussi. Ketchi, quoi de neuf? Maman est-elle là? Pardon, va à l'étage. Ah, pourquoi tu fais la gueule? Oh, c'est ton petit ami. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Tu dis que maman est là?
Dis, tu te souviens du mec dont je t'ai parlé? Quel mec? Jerry Nord, le mec en couple qui est sur le point de se marier. Oh, 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 oui, Jerry, celui dont tu es amoureuse? Oui. Tu n'as toujours pas oublié ce mec? Oublié? On oublie les personnes qu'on aime. Mais tu dis que ce mec se marie bientôt. Tu as bien dit sur le point de se marier. Et ça ne signifie pas qu'il est parti. Écoute, définitivement. Meuf, il n'est pas encore, non? C'est pas ce que tu veux faire. Mais ce que tu veux faire n'est pas correct du tout. Ah, ah, c'est pour ça que t'es mon ami, pour me conseiller sur quoi faire, Nord. Je te conseille. Oui. Oublie ce mec. Quel genre d'ami es-tu, Nord? Je suis amoureuse. Je ne te dis que la vérité. Oublie ce mec, sinon tu souffriras. Meuf, c'est juste des fiançailles. Il est juste fiancé à la fille, c'est tout. Je peux justement faire quelque chose, Nord. Ah ah. Je constate que tes attentes sont élevées. Peu importe ce qui se passera entre ce mec et toi, sera incorrect. Essaye aussi de me comprendre, Nord. Ok, alors, nous devons payer Ify pour ses services et faire un virement pour la robe. Combien ça fera? 100 000. Je voulais louer la robe, mais j'ai changé d'avis. Je vais acheter une neuve. D'accord, ça me va. Envoie-lui l'argent. L'argent est dans ton compte. Oh, oui, c'est vrai. J'avais oublié, désolé. Ok, alors... Okay. Oui, ok, cool. Je t'envoie le numéro de compte. Ok. Copier, coller, envoyer. Ok. J'envoie... Ok, quoi d'autre? C'est bon, que je c'est parti. Rien. D'accord. Alors, je l'appelle tout de suite. Oh, c'est elle. Salut, Ify. Je viens de voir le message. Ok, alors, vas-y, ne traîne pas. Ouais, mais avant, je veux te voir. Quand? Aujourd'hui? Jennifer a envoyé d'autres articles, je veux que tu les vois. Est-ce que je peux venir chez toi demain matin? Oui, demain ça marche, oui. Demain, d'accord. Demain matin, oui, bien sûr, d'accord. D'accord, on se voit demain, bien sûr. Bye, ça et va. Merci. D'accord, bye. Ah, ok, bon. Je ne comptais pas passer la nuit ici, mais je le ferai. Je dois rencontrer Ify le matin. Oui, tu rentres demain. Non, je ne peux pas. Je dois me rendre à la maison. Pourquoi tu ne peux pas les appeler? Oui, mais il faut que je ramène les articles de maman aujourd'hui. D'accord. À plus tard. Et oui, je vais t'appeler quand... je finis pour savoir où tu es. Ok, super. Bye. Alors chérie, j'ai rencontré un monsieur qui a fait les biens d'invitation. Et je pense qu'avec lui, on pourra dépenser moins d'argent. Ils sont beaux. Et très simples. Je prendrai ceci. Fais-moi voir. Les couleurs, ça me va. Parlant des couleurs, je pense que la couleur principale devrait être... violet. Violet. Ah oui. Au moins, blanc ça... et orange. Ouais, oui. L'idée est bonne, elle est bonne. On l'idée pense est vraiment pareil. Géniale. Je sais. Devine quoi, Jennifer a envoyé des photos de France pour ta robe. Et tu dois absolument porter une. Regarde celle-ci. Waouh! Oh mon Dieu, cette femme a de bon goût et de belles robes. Ouh! Oh waouh, celle-ci. Celle-ci, je te jure, j'adore. C'est elle. Oh, c'est ok, celle-là. C'était soit elle, c'est soit pour celle-ci. Toi. Non, attends, ouais. On a cette connexion. Ok, bien, je lui envoie le message. En rentrant hier, devine qui j'ai trouvé devant mon portail. Tony, sur ses genoux, suppliant, on pleure. Oh, qu'on se remet ensemble. Scène dramatique. J'étais à ça, d'appeler la police. Et qu'as-tu fait? Mon frère, tu sais à quel point il se déteste. Ma puce, honnêtement, ça devient insupportable. Ma chérie, je lui en veux toujours autant. Il ferait mieux de ne plus m'approcher. Il a intérêt à pas me chercher. Parce que je vais... J'imagine. Bref, dis-moi, qu'est-ce qu'on a oublié dans la liste? Honnêtement, je crois qu'on a fait le tour de tout. Mm-hmm. On s'est occupé ouais. de la robe, exactement. Du gâteau, de exactement. La déco... Le... Maman, s'il te plaît, ne recommence pas, ne recommence pas. Ne recommence pas quoi? Que veux-tu dire par là? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi?
rajeunis pas. Comment ai-je pu deviner que c'est ce que tu allais justement dire? Mais c'est la vérité. Oui, tu es jolie. Tu n'as plus 16 ans. Je sais, maman. Mais s'il te plaît, laisse-moi prendre mes propres décisions. Je t'en prie. Ma fille, dis-moi. Qu'en est-il de Jerry? Il n'est pas assez bien pour toi. Maman! Comment ça, maman? Il te plaît bien. Pas vraiment. Il n'est pas mon style. N'est-ce pas? Il n'est pas mon style. Pourtant, je vois bien comment tu lui fais des avances. Tu lui tournes autour. Il n'y a rien de mal si tu te rapproches de lui. Vous pouvez y être ensemble. Et vous pourrez former un beau couple. Salut, bébé. Salut. Waouh. Comment tu vas? Tu es ravissante. Merci. Comment tu vas? Ah, je vais bien. Tu ne croiras pas le rêve de la nuit dernière. Ok, dis-moi si c'est un bon rêve. J'étais dans une pièce, habillée pour notre mariage. Okay. Il y avait une mariée devant moi, j'ai cru que c'était toi. C'était pas moi? Non, ce n'était pas toi, c'était quelqu'un d'autre. Mais calme-toi, ok? Non, attends. Tu as épousé une autre femme dans ton rêve? Jerry, ce n'est pas un bon rêve, c'est mauvais signe. Calme-toi. Non, je ne peux pas me calmer. Tu ne connais pas la signification des rêves. C'était la mère d'Ike. Ike? Quel Ike? Ike, mon oncle qui est en Allemagne. Je t'avais dit qu'il avait envoyé de l'argent pour que je remette à sa famille. Et quand je t'ai arrivé, j'ai trouvé sa mère qui mangeait. Et elle m'a demandé de la rejoindre. Et je ne voulais pourtant pas, mais après, je l'ai fait. Je ne comprends vraiment pas, mais je ne cesse d'y penser. Pourtant, c'est juste qu'un rêve. Ok, as-tu dit à la mère d'Ike que tu préparais ton mariage? Non, pas du tout. Mais quand on aura les billets, j'irai lui donner. Quoi encore? Rien. Je pensais juste à ton rêve. Vraiment? Es-tu offensé? Non, pourquoi? Je vais me reposer. Excuse-moi. Salut, fille. Quoi de neuf? Je veux lui dire. Lui, dire quoi? Dire à qui? Diri, je veux lui parler de Tony. Pourquoi? Je veux juste me libérer de ce poids. Je pense que Diri mérite de savoir. Ce n'est vraiment pas le moment de lui dire. Il pourrait tout annuler. Écoute, Tony peut créer des problèmes plus tard. Je pense que je dois lui dire maintenant. Maintenant n'est pas le moment de le dire à Diri. Je ne sais pas. Focalise-toi d'abord sur ton mariage, d'accord? Ok, merci.
t'en prie. Ok. J'espère que je ne t'ai pas offensé. Non, ça va. Je me demandais si je pouvais te dire ce qui me tracasse. Quoi? Au sujet de Tony. Ton ex? Oui. Est-il mort? Non, il ne l'est pas. Alors quoi? Il ne fait que me harceler. Il ne cesse de me courir après. Oui. Pour de l'argent? Non. Alors pourquoi? Il veut qu'on se remette ensemble. Ok, et tu comptes retourner avec lui? Non, j'en ai fini avec lui. Et je le lui ai dit clairement. Et je compte appeler la police s'il ose encore m'approcher. Non, pas besoin. Approche-toi. Je suis ton homme. Aujourd'hui, demain et pour toujours. Je vais te protéger jusqu'à ma mort. Tu es mon monde. Meurs tu es ma vie. Plaît. Ne tu meurs es tout pas. Ce que je veux. Voyons, n'y pense pas. Ne t'en fais pas. Je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Je sais. Je tuerai pour toi. Arrête, stop. Ok, j'ai entendu. Alors bébé, qu'est-ce que je cuisine pour le dîner? C'est toi que je veux comme repas. Oh, arrête. Ok, alors je vais faire du poulet frit. Et peut-être on le fera. D'accord, le poulet frit, ça me va. Tais-toi. Tu sais, tu me rends tellement heureux. Tu es à moi. Ce gars me tourne en bourrique. Ok, je lui envoie un message. Quelque chose est sur le point de se produire ici. Je te donnerai les détails bientôt. Ne t'inquiète pas pour l'argent que je te dois. Je vais payer en dollars. Bye. Oncle, remets-moi mon argent, s'il te plaît. Arrête de me raconter les bêtises. Ah, qui m'appelle encore? Salut, mon oncle. Comment tu vas? Je vais bien. As-tu de l'argent dans ton compte? Oui. Va retirer 500 000 et donne-le à mes parents. Allô? Allô? Tu m'écoutes? Je t'écoute. Pourquoi tu ne dis rien? Tu sais... Je leur ai déjà donné 500 000. Tu comprends? Si j'ajoute cette somme, ça fera 1 million. Combien vaut 1 million de dollars? Salut Siri. Combien font 1 dollar en Naira? 1 dollar américain est égal à 362 Naira et 50 kobos. Ajoute ces 50 kobos. Allô? Allô, Jerry. C'est Nkechi. Bonsoir. Ok. Mon frère m'a passé ton numéro. Ok, je sais, il me l'a dit. T'es si adorable. Écoute, je ne veux pas... À plus tard. Bye. J'ai dit que je ne peux pas venir. Oh, mon Dieu.
Entrez. Salut, Kitty. Ah, Jerry. Comment tu vas? Je vais bien. Je peux m'asseoir? Ouais. Oh. Où est ta mère? Tu vas bien? Je vais bien. Où est ta mère? Où est-elle? S'il te plaît, arrête. C'est juste... Arrête. Qu'est-ce qui ne va pas, Rinkichi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'aime juste la senteur de son parfum. Lui, as-tu offert quelque chose? Non, ça ira, pas besoin. Je vous ai apporté 500 000 naira. C'est l'argent qu'il a envoyé. 500 000? C'est pour le loyer. On va l'utiliser pour le loyer. Vraiment, merci beaucoup. Il le sait, non? Pas vrai? Eh bien, je ne sais pas. Mon cher, notre loyer a expiré. On évite tout embarras. Ok, bien. J'espère juste que ça ira. Oui, ça ira. Et j'espère que cet argent est complet. Mais pourquoi pas? C'est complet, 500 000. Merci. Tu sais, souvent, il nous envoie de l'argent en avance. Avant que je n'oublie. J'espère qu'avec tout ça, il te donne quelque chose. J'espère que Ike t'envoie aussi de l'argent pour toi. Oui. Il le fait. J'ai confiance en Ike. Je sais qu'il te donne quelque chose. Ok, maman, il faut vraiment que j'y aille. Oui. D'accord. Ok, Jerry, puis-je te rejoindre? Je veux prendre un truc juste en route. Ok, d'accord. Je pense que je suis prête. Maman, j'arrive, d'accord? Ok. S'il te plaît, descends, c'est ici que tu t'arrêtes. Tu ne comprends pas? T'as pas besoin de te comporter de la sorte. J'ai une petite amie, je te l'ai dit. S'il te plaît, sors. Descends, s'il te plaît, tu ne comprends pas? Je dois partir, descends. Tu comprends ce que je dis? Bonjour, qui est-elle? Mon cœur, c'est... Alors, c'est ce que tu fais? C'est la sœur d'Ike. C'est ce que tu fais? Tu connais Ike, n'est-ce pas? C'est sa sœur. Qui êtes-vous? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit. C'est la sœur d'Ike, je te l'ai dit. Pourquoi? Descendez. S'il te plaît, descends. Descends, s'il te plaît, fais ce calme, je ne veux pas. Descends, non, descends. Mon ami, mais... Je te demande de descendre, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu fais? Attends, bébé, calme-toi, elle va descendre. Pourquoi tu mets un spectacle? Ça m'embarrasse. Qu'est-ce que tu fais? Descends, idiote! Tu te fous de moi? Attends. Mon cœur, attends, stop. Ok, c'est ce que tu fais. Ne me touche pas. Non, ne me touche pas. Écoute. Va-t'en. Cache mon âge. Descends. Descends! Dis-lui de ne pas me toucher, oh! Idiote! N'importe quoi! Attends! Pourquoi tu fais tout ça? C'est la sœur d'Ike, comme je te l'ai dit! Monsieur, allons-y! Dégage d'ici! Jerry! Dégage d'ici! Dégage! Oui, vas-y, s'il te plaît! C'est moi que tu défies! Non, s'il te plaît! Non, s'il te plaît! Non, c'est déjà la sœur de Ike! Non, s'il te plaît! Non! Qui est Ike? C'est la sœur d'Ike, pour l'amour du ciel! S'il te plaît! Calme-toi! Quitte cet endroit! Arrête, s'il te plaît! Je te supplie. Va-t'en, ici. S'il te plaît, calme-toi. De cet endroit. Va-t'en. La propriété de ton père. Arrêtez. Ah, Ada, écoute, tu ne peux pas m'embarrasser de la sorte. Je t'ai juste demandé de me faire confiance. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je jure sur ma vie. Je n'ai rien à voir avec cette fille. C'est la petite sœur d'Ike. J'étais chez elle. Et elle m'a demandé, s'il te plaît. Peux-tu me laisser sur la roue du marché? Et ce, devant sa mère? Je te dis la vérité. Je t'ai entendu. Regarde-moi dans les yeux et dis-le-moi. J'ai entendu le bon samaritain. Ada.
Quand tu m'as parlé de ton ex, j'ai cru en tout ce que tu m'as dit. Tu dois juste commencer à me faire confiance. Mais tu as entendu comment elle m'appelait? Cette fille, cet enfant. C'est parce qu'elle était fâchée, tu l'as mis hors de la voiture et tu m'as même giflé. Tu étais... Écoute, cette chose n'est pas invitée à mon mariage. C'est notre mariage, ok? Il est vraiment impératif de résoudre ce problème de confiance. Parce que si tu dois être ma femme, ça ne marchera pas. Tu le sais, n'est-ce pas? Donc tu es libre d'avoir des femmes comme amies, c'est ça? Bien sûr, tu peux aussi avoir des hommes comme amis. Tu dois être sociable. Écoute. Mais sache que s'ils sont tes amis, tu ne peux pas faire d'eux tes meilleurs amis. Lâche-moi! Je suis ton meilleur ami et tu es ma meilleure amie. Mon amour. Laisse-moi tranquille. Tu ne me demandes pas ce que j'ai fait pour le dîner. Je ne veux pas dîner. Je ne veux rien du tout. Demande-moi ce que j'ai fait pour le dîner. Laisse-moi tranquille. Je vois, Mike. Oui. Si quelqu'un te demande... Eh bien, je t'écoute. Si quelqu'un qui est à l'étranger te demande d'envoyer de l'argent à sa famille... Bon, ok, je vais le redire ainsi. D'accord. J'ai un ami à l'étranger. Il m'appelle tout le temps pour envoyer de l'argent à sa famille. En Naira, il prétend me rembourser en dollars. Avec des intérêts. Qu'est-ce que tu en penses? Cela m'a l'air ridicule. C'est étrange. Ce mec est à l'étranger. Oui. Il te demande d'envoyer de l'argent à sa famille. Oui. Ici au pays. Oui. Avec ton argent. Oui. Fait-il souvent des virements dans ton compte? Non, ce n'est pas ça le souci. Au fait, pour être sincère, c'est mon oncle. Ok, ton oncle. Oui, mon oncle, je lui fais confiance, ok? C'est un grand homme, il est riche. Oui, il est riche, tu comprends? Tu lui fais confiance quand il s'agit d'argent? Il est hors du Nigeria. En fait, lorsqu'il est occupé avec ses affaires, il m'appelle pour... qu'il me demande de me rendre dans sa famille et de leur donner un peu d'argent. J'ai l'habitude de le faire. Quand il m'appelle, je vais dans sa famille, je donne de l'argent, je reviens, il m'appelle encore, et tu vois. Je t'en parle aussi pour que tu me dises ce que tu en penses. Honnêtement, écoute, si tu veux mon avis. Sérieux, et l'idée ne m'enchante pas. Tu comprends ce que je dis? Pas. Ouais, pas du tout. Mais puisque tu dis que c'est ton oncle... Oui, c'est mon oncle. Ton oncle. Et que ça ne te dérange pas. Mais... vu sur un autre angle, tu n'aimes pas. Pourquoi n'envoie-t-il pas l'argent directement à sa famille? Pourquoi passer par toi? Tu sais quoi? N'en parlons plus. Il va me rembourser. Il le fera. Tu es convaincu? C'est mon oncle. Pourquoi est-ce qu'il ne me rembourserait pas? Ouais. Avec l'argent, frère. C'est mon oncle. Tout peut arriver. C'est bon. Les oncles sont les vilains, non? C'est terrible. Il y a des oncles méchants, tu sais. Crois-moi, il y a des oncles méchants. Salut bébé. Salut bébé. Quoi de neuf? Comment vas-tu ce matin? Comment va mon futur mari? Juste te rappeler bébé, je suis surexcitée. Plus que 2 semaines avant le grand jour. Nous allons peindre le ciel avec notre amour, mon chéri. Je suis surexcitée bébé. Je serai là dans quelques jours, ok? Pour qu'on puisse revoir tout en détail. Maman, ma belle, je te rappelle plus tard. Bye. Ah, 2 semaines. À quoi je pensais? Ah! Ok. Thank you.
Allô, Jerry? Pourquoi m'embêtes-tu avec tes appels? Je suis à une réunion très importante. Je t'ai dit que je vais te rendre ton argent en dollars, je vais te le rendre en dollars. Sinon, est-ce que t'as 50 000 naira? D'accord, très bien. Va les donner à un quêtier. Aujourd'hui. Ok. Allô, Nketi ? Tu vas bien ? Comment va maman ? Bien. Jerry viendra vous donner 50 000 naira tout à l'heure. Utilisez pour emmener maman à l'hôpital. Ok. D'accord. Ramasse tes affaires et sors de chez moi. Ramasse tes affaires et sors de ma vie. T'es un escroc, t'es un menteur. Prends tes affaires et dégage d'ici. J'en ai fini avec toi. C'est terminé. C'est terminé. Prends tes affaires et dégage. Je peux t'expliquer. Je vais t'expliquer. C'est mon frère. Je lui dois de l'argent et il ne cesse de m'appeler. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en prie. Je peux tout expliquer. S'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît. Ramasse tes affaires. Je t'en prie. Et sors de ma maison. S'il te plaît. Je ne veux pas appeler la police. Dégage. Je t'en prie. Ce n'est pas ce que tu penses. Je peux tout expliquer, s'il te plaît. Va-t'en. Et n'essaie pas de revenir. Va-t'en. Sors de ma vie. Sors de ma maison. T'es un menteur et t'es un escroc. Va-t'en. Je peux t'expliquer. Attends. Je peux t'expliquer. Va-t'en. S'il te plaît, écoute-moi. Va-t'en, sors de ma vie. Va-t'en.
Je peux tout expliquer. Va-t'en. S'il te plaît. Dégage. Va-t'en. Natacha, s'il te plaît, je peux tout expliquer. C'est mon frère. Va-t'en. J'en ai terminé. Mon ami, calme-toi, ce n'est pas la fin du monde. Ressaisis-toi, ce sont des aléas. Pendant 4 ans, 4 bonnes années, je rentre au Nigeria. T'ai-je entendu dire que tu retournes au Nigeria? As-tu 4 millions à donner à Jerry quand tu seras au Nigeria? Tu veux retourner là-bas et te couvrir de honte? Mon frère réfléchit très bien. Souviens-toi que tu lui as promis 3 000 $. Tu m'entends? On parle de dollars. Tu perds la tête. Prends un verre, mon frère. Tu es un homme. Tu es un homme. Où est-ce que je vais bien pouvoir vivre? Mon pote, calme-toi. Tu vas vivre ici avec nous. Nous sommes venus ensemble en cède quand on peut. Bam. Nous devons te montrer de l'amour. C'est ça l'amitié. Joins-toi à nous. Nous allons mourir ici ensemble. Nous mourrons ensemble. Mon frère. Voilà, c'est mieux. Tu veux retourner au Nigeria? Est-ce que tu as de l'argent pour voyager? C'est bientôt, tu auras l'argent. Entrez, la porte est ouverte. Ah.
Tu te foutais de ma fille. Tu es un escroc. Pourquoi? Non, maman. Je dois de l'argent à quelqu'un au Nigeria. Mon frère. Et il ne cesse de m'appeler. Et c'est pour ça que Natacha pense que je la trompe. Ce n'est pas vrai. Aide-moi à parler à Natacha. S'il te plaît, maman. Ok. Je ne sais pas. Je ne peux rien te promettre. Je vais lui parler et écouter ce qu'elle dira. D'accord? Merci, maman. Je vais essayer. Tasha, il dit qu'il ne te trompe pas. Il doit de l'argent à son frère. Et son frère ne cesse de l'appeler du Nigeria. Il regrette vraiment. S'il te plaît, donne-lui une autre chance. Pardon, mon enfant. Je ne le crois plus, maman. Je l'ai surpris une première fois. Je l'ai surpris une deuxième fois. Je l'ai surpris une troisième fois. Je ne veux plus le voir. C'est fini. Je ne veux plus le voir. C'est fini. Je ne veux plus. Calme-toi, chérie. Ok. Aïké, je suis désolée, j'ai essayé. Elle dit que c'est fini. Tasha, s'il te plaît, Tasha. S'il te plaît, Tasha. Salut, bébé. Bébé, t'es là? Comment tu vas? Tu vas bien? Tu as de la fièvre? Bien, je suis juste épuisé. Ok, bien. Je dois te parler. Pardon, bébé. Pouvons-nous reporter notre mariage? Quoi? Attends. Quoi? Pourquoi? S'il te plaît, calme-toi. C'est juste moi, s'il te plaît. Mais, nom de Dieu! Qu'est-ce que tu racontes? Ada. Non, attends. Tout est déjà prévu pour ce week-end. J'ai acheté ma robe et tout le reste. Mes parents attendent le mariage traditionnel. Tu es là, tu me parles en parabole. Je vois, tu as dépensé cet argent. Je n'ai pas dépensé l'argent, Ada. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. C'est à cause de cette fille, celle-là. Vous êtes ensemble, c'est ça? Ou alors tu vas épouser sa mère? Arrête, s'il te plaît, Ada, arrête. Le mariage tient toujours. Tout ce qu'on a fait, c'est de prendre le contact du designer graphique, de changer les dates du mariage. C'est tout, s'il te plaît. Je veux juste un mois, s'il te plaît. C'est n'importe quoi. Attends, qu'est-ce que tu fais? Stop! Je m'en vais. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Ada, c'est Ike. Écoute. Ike me demandait de lui donner de l'argent. Tu te rappelles toutes ces fois, il me demandait d'aller donner de l'argent à sa famille. Et il promettait de me rembourser en dollars. S'il te plaît, j'ai été idiot. J'ai cru qu'il allait me rembourser avant aujourd'hui. Je ne cesse de l'appeler, mais il ne prend pas mes appels. Tu t'entends? Est-ce que tu peux t'entendre? Tu as bêtement dilapidé l'argent dédié au mariage. Je t'ai fait un virement de 500 000 et tu es là à me raconter des... J'ai vraiment merdé, je sais. Ada, s'il te plaît, écoute-moi, Ada! Tu peux faire ce que tu veux, c'est fini. Pas de mariage, pas de moi, pas de toi. Et ça me va, j'en ai terminé, pardon. Ada, où vas-tu? Je m'en fais, ça suffit. Attends!
Ma chérie, tu vas bien? Je vais bien, maman. Tu veux que je l'appelle? Non, je vais bien, maman. Ferme la porte en sortant, s'il te plaît. Ah, qui frappe à la porte comme ça, non? Mais qui est-ce? Où est ta mère? Jerry! Où est ta mère? Où est ta mère? Si tu essaies de ne pas me répondre, tu vas te chiffler! Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a, c'est que votre fils est un escroc! L'argent que j'ai travaillé avec ma sueur et mon sang! L'argent prévu pour mon mariage! Je vous l'ai donné, je vous ai regardé l'utiliser! Vous avez fait des courses devant moi! Vous avez payé votre loyer devant moi! Tu as payé les frais de ton master devant moi! Tu es la personne la plus idiote que je connaisse dans cette vie! Et toi, avec ton fils escroc, il a promis de me rembourser cet argent en dollars! Combien de temps vais-je attendre? Combien de temps vais-je attendre? Ma fiancée me prend maintenant comme un fou! Elle pense que je suis incapable à cause de ton fils! Mais comment il peut être un escroc, non? Quand je vais te chiffler, tu vas la fermer! J'ai appelé ton fils en vain, j'ai eu son ami au téléphone. Il m'a dit que ton fils est sans emploi et sa femme l'a foutu à la porte. Il est sans emploi! Oui, il est sans emploi! Il n'est même pas capable de se louer une maison! Oui, hey, ton fils est un escroc! Écoutez-moi très bien, je lui donne un mois pour qu'il rembourse mon argent. Je jure sur ma vie et mon sang, vous irez en prison. Jerry. Maman. Ike, un escroc. Seigneur. Elle l'a chassé de la maison. Moi, je ne crois pas au... Comment Ike peut être un escroc? Attends, si c'était toi et... Si ton ami te demandait de donner ton argent à sa famille, est-ce que tu le ferais?
Aiki n'est pas ce genre de personne. Il parle de prison. Moi, je n'irai Attends, pas là-bas. Laisse-moi parler. A-t-il dit que tout l'argent qu'il nous donnait était pour lui et non pour Iki? Je ne veux même pas y croire. Hey! Je n'ai jamais vu Jerry dans cet état. J'y sais. Et je le crois. Je le crois. Ah, maman, tu l'as cru. Je ne travaille pas. Il nous a donné un mois. Je n'irai pas en prison. Oh. Tout l'argent. Moi, je n'ai pas de boulot. Je ne sais pas quoi faire. Oh. C'est quoi cette poisse? Ah, oh, oh. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Que se passe-t-il? Quoi? Mike, mon oncle en Allemagne, qui me prenait toujours de l'argent, je lui ai envoyé tout ce... Crois-moi, je t'assure, je suis au bout de ma vie. Comment a-t-il pu me voler de la sorte? Pourquoi ce gars m'a escroqué? Je comprends ce que tu ressens, mais tu dois te calmer, mon ami. Essaie de te calmer. Ok, nous sommes en pleine rue. Reprends-toi, tu peux pas faire ça en public. C'est la voie publique. Nous sommes en public, tu peux pas faire ça en public. Ok, écoute, entrons dans la voiture et parlons-en. Crois-moi, c'est le mieux à faire, ok? Calme-toi. Essaie de te calmer. Reprends-toi, d'accord? Calme-toi. Jerry, calme-toi! Rentre dans la voiture. Calme-toi. Mais... Allô? Allô? Est-ce Jerry? Oui, à qui ai-je l'honneur? C'est moi, Madame Julie. Madame qui? La dame que vous avez conduite à l'équipe la dernière fois. Oh, désolé, maman, désolé. Je me souviens. Pas de problème. Vous êtes un homme gentil. J'ai un projet et je veux que vous vous en occupiez. Ok. Mais je n'ai... C'est un projet immobilier. $1 million. Un homme comme vous méritez de travailler avec moi. Vous ne pensez pas pareil? Allô? Allô? Êtes-vous là? Oui, je suis là. Pouvez-vous venir tout de suite à l'hôtel Arena? Je veux vous présenter à mes partenaires. Oui, madame. Je me mets en route. À tout à l'heure. D'accord, très bien. À tout à l'heure. Bye. Allô? Allô, Ify, c'est Jerry. Je sais. J'ai oublié de supprimer ton numéro après que t'aies brisé le cœur de mon ami. S'il te plaît, je n'ai pas brisé le cœur de ton ami. Oh, tu l'as brisé en 1000 morceaux. Écoute-moi d'abord. Ça te dirait de gagner 50 000 en 5 minutes, t'es partante? Tu sais que quand il s'agit d'argent, je suis partante. De quoi s'agit-il? Ouais, génial.
Attends ici. Quoi, Jerry? Redis-le une dernière fois. Jerry, je l'ai déjà répété plus de 1000 fois. Je sais, juste une dernière fois. Salut, Ada, j'ai une surprise pour toi. Et je dois te couvrir les yeux. Génial! Waouh! Attends! Où est le bandeau? Jerry, j'ai pas besoin de bandeau. Je vais le faire avec mes mains. D'accord. Oh, oh Seigneur. Oh, Jerry. Oui, j'avance. J'ai hâte de voir la surprise. Effie. Oh, t'as acheté une nouvelle voiture? Oh, oh mon Dieu! Tu l'as fait? Je te félicite. Oh non, je ne l'ai pas fait à lui, oui. Salut, bébé. Quoi? T'as acheté une nouvelle voiture avec mon argent? Ce n'est pas ton argent! Cet argent, je l'ai eu le week-end passé. Tu as gagné au loto? Je ne vais pas te repentre. C'est pour ça que tu me gifles. J'attends que tu me donnes un bisou pour t'excuser. Encore. Viens, 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 viens. Entre. Installe-toi. Allez, viens, dépêche-toi, chérie. Jerry? Jerry! Dépêche-toi! Allez, viens! Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.